Contact défunt le jeudi 30 janvier 2020 avec Céline. Vous êtes en train d'enregistrer, Céline? Il y a un retour de voix. Vous êtes en train d'enregistrer? Oui. Vous m'entendez mieux, là? Oui, là, ça va mieux. Ah, super. D'accord. D'accord. C'est votre mari, c'est ça, Céline? C'est votre mari, là? Oui. D'accord. On a déjà eu contact avec lui, hein, c'est ce qu'il est en train de me dire. Alors, c'est drôle ce qu'il est en train de me montrer. Il montre une sorte de car ou de voiture ou de camionnette. Hein. Ah. Je vous entends très mal, Isabelle. Ah, ouais, ouais, parce qu'il se sert de la communication, vous voyez, pour pouvoir parler. Oui. C'est pour ça. Il y a des choses qui ont bougé chez vous, Céline? Vous avez mis en place des choses ou vous avez mis en place des choses par rapport à depuis qu'il est parti? Oui. Vous avez aidé votre fils, ça aussi? Oui. Hein, parce que c'est ce qu'il est en train de me montrer. Hein, il apprécie que vous l'ayez fait parce qu'il est en train de me dire « tu ne l'aurais pas fait, je l'aurais fait moi ». Vous voyez, il avait besoin d'un coup de fil, un coup de... comment dire, il dit financièrement, il dit, il est sous, il dit, il met un coup de pouce pour bien démarrer, pour bien commencer sa vie. C'est ce qu'il est en train de me montrer, d'accord, hein? Hein? Oui. Et du coup, votre fils a complètement changé son attitude, il est plus joyeux, il a un sens à sa vie, d'accord? Il donne un sens, oui, à sa vie. Et c'est François, c'est ça, c'est François? Alors, c'est François qui est parti, c'est votre mari, c'est François. Ah, il essaye de communiquer par l'intermédiaire du son, vous voyez? Voilà. Oui. Bon, je vais lui demander que... voilà. Et il dit qu'il est très... comment dire? Il vous embrasse, hein, il a oublié. Alors, il dit qu'il n'a pas oublié parce qu'il est constamment avec votre famille, avec vous. D'accord? Il faut que vous le sachiez. J'ai entendu oui, Isabelle. Mmh. Oui, Isabelle. Oui, Isabelle. Oui, Isabelle. Vous aussi, vous avez. Il dit que. Il sait qu'il vous manque, d'accord? Il sait toujours que. Voilà. Mais il me dit que. Vous devez sentir son odeur de parfum de temps en temps, son odeur de parfum d'eau de Cologne. Oui, je ressens surtout sa présence. D'accord. Parce que ce qu'il est en train de me montrer, Céline, c'est qu'il est constamment encore là, près de vous, vous voyez? Voilà, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Hein. Il dit, t'inquiète pas pour moi, je vais bien, tout va bien. D'accord? Mais il a besoin d'être toujours auprès de vous parce que vous le sollicitez aussi. Vous avez toujours besoin et vous lui parlez constamment. Oui. Hein? Du matin au soir. Du soir au matin. D'accord? Constamment. Constamment. D'accord? D'accord. Il y a un chien avec lui, hein. Il y a un chien avec lui. Oui. Comment on appelle ça? Un petit chien, en fait. Un big, il me dit. C'est ça. Un big. Il est avec lui, hein. D'accord. Il l'appelle, vous voyez. D'accord. Ce chien-là, il est parti quand vous, après lui? Oui, il est parti après lui. Après lui, d'accord. Oui. Il était malade ou il était en train de... Vous voyez, il me montre qu'il était malade. D'accord? Oui, et il m'a fallu le faire euthanasier, oui. Il dit qu'il le fallait parce que, de toute façon, si on vous avait demandé de faire certaines choses, des opérations, il dit que tu as bien fait parce que ça n'aurait pas marché. D'accord? Il faut que vous le sachiez. D'accord, Céline. Et il me dit, il est avec moi. Hein, il fait... Alors, c'est un chien qui court beaucoup, d'accord, hein, qui a besoin de courir. Il jette le bâton, il revient. Il jette le bâton, il revient. C'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord, hein, voilà. Actuellement, il est entre vous et votre fils. Alors, ce qu'il me montre aussi, c'est que, on va voir aussi peut-être pour quelqu'un d'autre, mais il me montre dans votre vie, la vie de votre fils. D'accord? C'est important pour lui. D'accord. Il me montre la moto ou quelque chose lié à la vitesse. Vous voyez?
Oui. Voilà. Il faut qu'il soit prudent, il dit. Il faut qu'il soit prudent. Il faut qu'il soit prudent, d'accord? Pourquoi ils montent des pneus, des pneus, des pneus? Parce Des que, pneus, vous en savez? fait, mon fils, la moto, c'est un loisir. Oui, mais les pneus, c'est Mais quoi? C'est son travail? Il monte des pneus? non, C'est mais quoi alors? il s'est aménagé son garage comme un magasin de moto. Donc il a des racks, il s'achète ses pneus. D'accord, d'accord. C'est vraiment une passion, quoi. D'accord. Il dit que c'est son atelier. C'est maintenant son atelier. Vous voyez? Oui. Il avait besoin d'espace. Vous voyez, il est en train de me montrer d'espace. Vous avez gardé la Oui. maison, Céline? Je l'ai vendu. D'accord. Vous avez vendu la maison? Vous avez tout vendu? Vous avez quand même gardé quelque chose? Non, j'ai tout Vous vendu. avez tout vendu? Tout. D'accord. Oui. Il dit, tu as fait fort. Hein. D'accord? Ça a été, oui. Ça a été difficile parce qu'il y a une promesse, Oui. une promesse, mais il n'y avait pas d'argent derrière. D'accord? Il n'y avait pas possibilité de récupérer. Il y a quelqu'un qui a raflé tout ça, en fait. D'accord? Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est pour reconstruire, rebâtir, faire d'autres choses, hein, d'autres lots, quelque chose. Mais ce qui me montre. Alors. Cet endroit-là, il y a un atelier, il y a quelque chose, d'accord? Mais après, il y aura peut-être plus tard des immeubles, un lot. C'est ce qu'il est en train de me montrer dans le futur. D'accord? D'accord. Ça sera encore revendu. Il y aura d'autres choses dessus. D'accord? Je sais que ça va être revendu parce que nos propriétaires ici sont pas bien dedans. Voilà. Non. Et votre mari, il tourne encore là-bas. D'accord? Oui, je sais. D'accord, hein, il tourne encore là-bas. Oui. Il faudrait pas qu'il aille déranger, c'est surtout ça, vous voyez, pour que la personne puisse se sentir à l'aise. Mais ce que me montre votre mari, c'est que j'ai l'impression que il lui plaît pas ce propriétaire. Et donc, du coup, vous voyez, Du coup, il t'a déjà dû faire le père, c'est ça? c'est ça. Mais bon, comme il dit, il est en train de me dire, ce n'est plus votre problème puisque vous avez récupéré ce que vous vouliez, d'accord? Mais Oui. François était très, comment dire, il aimait ce lieu, d'accord? Il est en train de me montrer. Pour lui, il était évident qu'il fallait que vous fassiez quelque chose avec tout ça. Donc il Oui, accepte oui. complètement, d'accord? Il accepte complètement. Mais il revient souvent dans ce lieu, vous voyez? Voilà, il revient assez souvent dans ce lieu. Il vient rendre visite et je pense que certains membres de la famille sont assez sensibles à ce qui se passe dans la maison. Et c'est pour ça que je pense que la mère est là. Il y a une fille dedans, dans cette maison, présence Alors, féminine. ils sont séparés, mais il y a une petite fille qui doit avoir un an. Oui, elle voit les choses, hein, d'accord? Il y a une fille, hein, d'accord? Et en fait, François me dit qu'il vient souvent voir la petite parce qu'elle est toute mignonne et c'est ce qui manquait justement dans cette maison, c'était les petits-enfants. D'accord? Hein? Voilà. Voilà. Il s'est demandé qui c'était. C'est surtout ça au début, qui c'était. D'accord? Mais pour moi, ils ne resteront pas Céline, d'accord? Ils finiront par Oui, moi. c'est le sentiment que j'ai aussi. Voilà, ils vont peut-être rester, allez, encore 2 ans, 3 ans. Mais il serait bien que François les laisse tranquilles pour que justement ils puissent vivre tranquilles. Alors, il les embête pas du tout, hein. François, il me dit, c'est parce qu'ils le ressentent. Ils ressentent bien qu'il y a quelque chose qui est là. D'accord? Voilà. Et il dit entre le salon et le couloir. Entre le salon et le couloir. Entre le salon et votre. Entre le salon et le couloir. Là où on avait notre chambre et là où le nouveau propriétaire a fait sa chambre aussi, donc. D'accord. Entre le salon et le couloir. Il ne rentre pas dans la pièce de la chambre. Il reste à la porte. Vous voyez? Mais ce qu'il me dit, il me dit, oh, j'aime bien embêter un peu. D'accord?
Mais bon, il ne va pas continuer. D'accord, François? Hein, il faut que ça soit plus paisible. Et elle est trop mignonne, la petite. Voilà, elle est trop mignonne. Voilà. Il y a une naissance dans votre famille, Céline? Oui. Pour votre fille? Oui, j'ai eu. Oui, c'est ma fille. D'accord. C'est quoi, c'est un petit garçon? Oui, c'est un petit garçon. D'accord. La période de septembre, octobre, par là, il montre, d'accord? Oui, début septembre. Voilà. Hein, voilà. C'est une joie et en même temps, il me montre que il n'a pas pu être présent au moment où sa fille elle mettait au monde cet enfant, d'accord? Mais il est en train de me dire que c'est une grande joie de savoir qu'aujourd'hui il est papy en fait, d'accord? C'est ça. Mais il a une préférence quand même pour les filles, hein. D'accord? Voilà. Disons que il est en train de me dire que les filles sont plus subtiles que les petits garçons. Vous voyez, oui. C'est surtout ça. Il est très fier que tout ça soit bien passé. Il dit que tout ça soit bien passé. Votre fille, oui. Votre fille avec vous, ça va mieux, Céline? Alors quand elle est seule, oui. Oui. Et quand elle n'est pas seule, non. Voilà, qu'elle soit compagnon là, c'est très compliqué. Oui, elle alors, il ne veut pas trop en parler comme ça dans la vidéo, mais il dit, c'est comme beaucoup de femmes, hein, quand elles sont entre copines, ça sort. Et puis quand elles se retrouvent avec leur mari, ça ne dit plus rien. D'accord? Mais bon. Il dit que le bébé, c'était un poupon. Oui. Un vrai poupon. D'accord? Oui. Il est allé le voir. Un vrai poupon. Bien sûr, il dit que j'ai eu la chance de le voir. D'accord? Il n'a pas été présent parce que lui, le sang et tout ça, les cris, il ne supporte pas. D'accord? Voilà. Et il a préféré attendre. Il me dit d'attendre quatre jours que tout se passe bien. Il n'aime pas les hôpitaux. Il me montre qu'il n'aime pas tous ces milieux d'hôpitaux, les odeurs d'hôpitaux. Il me dit, je vais m'évanouir. D'accord? Il ne se sent pas bien, en fait. Oui. Vous voyez, il dit de sentir les produits et tout ça, ça le met mal à l'aise, ça lui donne envie d'aller remonter. Et il n'a pas supporté aussi se dire, il a préféré attendre qu'elle rentre par la suite et qu'elle soit avec vous aussi pour pouvoir mieux admirer l'enfant, en fait. C'est ça. D'accord? Ah, il y a une expression bébé chiffon, il dit. C'est comme ça qu'il dit. Voilà. Et qu'il a préféré après le voir après. Ça va mieux, ma chérie. Ça va mieux. Ça va mieux, ma chérie. Vous voyez? En fait, derrière tout ça, il sait qu'il vous manque. D'accord? Voilà. Vous auriez préféré qu'il soit là. Mais il dit qu'il vous attend de toute façon. Qu'il vous attend un jour de l'autre côté, de toute façon. D'accord? Oui. Mais il dit, je viens souvent vous rendre visite. Voilà. Votre fils, il est en couple ou il ne l'est pas? Parce que pour moi, il ne montre pas qu'il est en couple. Oui. Il faut qu'il soit plus sérieux, il dit. Parce qu'on a l'impression qu'il est en couple sans être en couple. Vous voyez, il a ce côté célibataire encore en lui. Vous savez, je suis avec quelqu'un, mais je suis célibataire. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. D'accord. Il me dit, il a encore enfant sur beaucoup de choses, hein. C'est un grand enfant. Voilà. Oui. Il sourit. Il dit, dans la famille des hommes, c'est comme ça. On se fait chouchouter par les femmes et on est des grands enfants pour elles. Voilà. Il ressemble beaucoup à son père, hein.
Ouf, D'accord? énormément. Il me dit, plus il vieillit, plus il prend de la forme comme son père, plus il Ah prend de la voix comme son père. Vous voyez, il dit que c'est... D'accord. François est en train de me dire, ben, c'est mon double, c'est mon double. Voilà. C'est vrai. C'est son double. Alors, comment s'appelle ton fils? Comment s'appelle ton fils? Il me dit que c'est les deux premières lettres de votre prénom. C'est ça. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qui commence par C? C'est. Il est en train de chanter là. C'est. Alors, Cédric, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est en train de chanter. C'est Rimmel. D'accord? D'accord. Il est. Alors, ça fait quand même 2 ans et demi qu'il est, 2 ans et demi qu'il est parti, c'est ça, Ça va Céline? faire 3 ans au mois de mars. Au mois de mars, voilà. Hein, 2 ans et demi, il me dit. Il me dit qu'il n'a pas vu le temps passer de l'autre côté. D'accord? Il n'a pas vu le temps passer. Il n'a pas vu les choses passer. Il dit qu'il a toujours l'impression d'être toujours souvent avec vous. D'accord? Il dit qu'il a commencé à évoluer de l'autre côté, mais que c'est surtout pendant la nuit qu'il peut faire certaines choses, dans la nuit humaine, hein, dans une nuit humaine. Mais qu'il essaye d'être au maximum avec vous, encore de vous accompagner encore dans ces moments encore que vous en avez besoin. D'accord? Et il dit Céline que tant que tu auras besoin de moi, je serai près de toi, tant que tu as besoin de moi. D'accord? Mais à un moment donné, je pense Céline, quand même, il va falloir peut-être dire, écoute, tu viendras plutôt me voir à tel moment, plus qu'un... Parce qu'il a besoin d'évoluer, d'accord? Alors je pense qu'à un moment donné, vous allez comprendre aussi que par rêve, le fait qu'il vienne en rêve, que vous pouvez aussi lui consacrer un peu de temps, lui dire, bon, l'après-midi, tu peux y aller le matin et après, on se voit après. Vous voyez, parce qu'il a toujours besoin, il essaye de transmettre les messages par, vous entendez? Par, ça coupe à chaque fois, par Ça mots. coupe. Voilà, d'accord? Il essaye à chaque fois de transmettre quelque chose. Il y a des gens qui parlent, il a ouvert le canal. Et donc, du coup, il y a des gens qui parlent en même temps. Il y avait toujours du bruit, il dit, à la maison. Il y avait toujours du monde, il y avait toujours quelque chose. Vous voyez, il y avait toujours des repas. Voilà. Oui. Il y avait toujours du monde autour de la maison. Il y avait toujours de quoi manger. Voilà. Oui. Et il me dit, et elle cuisine bien, Céline. Et elle cuisine bien. Vous avez acheté une maison, Céline? Oui, Avec un petit jardin, c'est ça? c'est Voilà. ça. Avec un petit jardin. J'ai l'impression que c'est une maison, pas étage, mais une maison Oui, c'est une maison de plein à pied. plein pied. Hein? C'est ce il me montre ça, en fait. Une maison en plein pied. Hein? Et il dit, c'est tout mignon et c'est dans le. Et c'est pas bruyant. Vous voyez, c'est un quartier pas Oui. bruyant. Tranquille. Il dit, tranquille. Il fait tranquille. Oui. Voilà. Il faut que je m'y habitue, il dit. Vous avez changé de voiture? Oui. Ça sera plus sécu en sécurité. Tu seras plus en sécurité, il dit. Voilà. Tu seras plus en sécurité. C'est important pour lui, tout ça. Ce sont des achats, pour lui, ce sont des achats qui vont durer. D'accord, Céline? D'accord. Vous n'êtes pas quelqu'un dépensière. Vous êtes fait plaisir et il est content que vous vous êtes fait plaisir avant tout. Mais vous voyez, il dit c'est quand même un écureuil, elle garde quand même de côté. Et ne dis pas tout, il dit. Et ne dis pas tout. Tu es belle, ma femme, il dit. Il dit, tu es belle, ma femme. Mais c'est vrai qu'elle est belle aujourd'hui. Elle a une belle coupe de cheveux. Elle s'est fait toute belle pour moi, il dit. Alors, Céline, il dit que vous devriez aller marcher.
D'accord? Parce que dans le lieu où vous êtes, il dit, tu devrais aller marcher, ça te ferait du bien. Tu devrais aller marcher. Moi, je marche beaucoup, il dit. Je marche beaucoup de l'autre côté. Je marche énormément. Et dit qu'il le fait aussi quand il vient vous en visite, il marche. Et dit, c'est important de marcher. Il dit d'entretenir, d'accord. Disons que pour eux, la marche, c'est pas une marche physique, c'est une marche au niveau énergétique, d'accord, Céline. Voilà, ils ont besoin, plus ils ont une activité, plus leur énergie est multipliée. Voilà. Alors, c'est qui Bart? Bart. Depuis tout à l'heure, il me dit Bart, Bart, Bart. Et moi, mon nom de jeune fille, c'est Barthès. Barthès, d'accord. Oui. Mais avec un S? Oui. Voilà. Et il dit Bart. Il dit pas Barthès. Oui, c'est jeune fille. D'accord. D'accord. Parce que tout à l'heure, il dit c'est Bart. C'est Bart. D'accord. Vous voulez lui poser une question, Céline? Je voulais lui poser une question par rapport à mon beau-père, donc c'est mon second papa. D'accord. Qui m'a élevée. Oui. Et mais il a de graves soucis de santé. Oui. Et c'est quelqu'un qui est très diminué. Et... D'accord. Ça va pas trop. Voilà. Ça va pas trop. Voilà. D'accord. Oui. Et moi, j'ai un mauvais pressentiment. Et bon, sur d'autres sens, il m'avait dit qu'il allait bientôt l'accueillir. Oui, oui, oui. Et puis, il a résisté. Il a résisté. D'accord. En fait, il a résisté pour pas laisser ma maman. Oui, il a... Alors, cet homme, il voudrait partir, d'accord? Parce qu'il est dans des souffrances. D'accord? Oui. Et comme votre maman ne veut pas le lâcher, et elle fait tout pour... Oui. Voilà, elle accompagne du mieux qu'elle peut. Hein, oui. Voilà. Et en fait, votre maman a des remords vis-à-vis de lui, des remords de ne pas forcément avoir été peut-être des fois gentil, compréhensif vis-à-vis de lui, ou vous comprenez, hein, oui. Céline, peut-être oui. On ne lui a pas avoir permis certaines choses ou dire certaines choses et qu'elle le reprenne et qu'elle le voyait. Et du coup, elle a des remords de tout ça parce que c'est quelqu'un de très affectueux, d'accord? C'est quelqu'un qui... Il dit rien. C'est ce qu'il est en train de me dire. François, il me dit, c'est quelqu'un qui dit rien, c'est quelqu'un qui dit amen, allez. Il ne veut pas de problème, c'est pas quelqu'un... voilà. Et votre maman, elle a des regrets sur certaines choses. Et puis du coup, elle essaye de le retenir pour réparer aussi des choses qu'elle n'ose pas lui dire, en fait. C'est ça. Elle devrait avoir une conversation avec lui et parler de certaines choses qui peut-être qui la dérangent. C'est ce que me dit François. Et ça permettrait justement d'apaiser son cœur à elle. Et que lui puisse partir tranquillement parce que elle aura toujours le pardon parce qu'il l'aime, hein, il l'a toujours aimé. Oui. Donc il lui pardonne quoi que ce soit. En fait, votre mère, même sur des choses banales, elle en fait une montagne. C'est ça le souci. D'accord? Et que si elle, il est important. Alors, on me montre bien que c'est pas quelqu'un qui va durer longtemps dans le temps, sur cette terre, d'accord? Il prépare son voyage, en fait. Mais que c'est un moment où elle doit le saisir et qu'il est important qu'elle le saisisse parce qu'à un moment donné, il va monter, c'est tout. D'accord? On va venir le chercher. Et votre mère n'aura pas dit justement certaines choses qu'elle a sur le cœur et qu'elle ne veut pas forcément vous le dire à vous ou quoi que ce soit. Et des fois, c'est des choses banales. Vous voyez, c'est des choses où on se reproche. Est-ce que j'ai bien fait ça? Et puis que peut-être que j'aurais dû lui laisser plus de temps ou le laisser s'exprimer. En fait, votre mère, c'est quelqu'un qui dirige tout. D'accord? Oui. Et par son caractère fort, elle tient, elle le retient pour l'instant, d'accord? Mais si elle ne fait pas l'effort de dire les choses vis-à-vis de lui, à un moment donné, il partira de toute façon. Alors, oui. Elle ne pourra pas le retenir. Elle a peur d'être seule, votre mère. Oui. Mais en fait, elle est...
Sur ce point-là, elle est un petit peu égoïste. Oui, elle a peur d'être seule. D'accord? Elle Oui. a, et elle va se rendre compte qu'en fait, même avec le départ de cet homme qu'elle aime, il va être présent. C'est comme ça qu'il va pouvoir après. Mais votre maman a surtout peur d'être seule. C'est pas qu'il Oui. parte, c'est qu'elle soit, elle se retrouve seule. D'accord? Oui, Même s'il y a de oui. l'amour, c'est surtout de se retrouver seule. Donc elle maintient, elle maintient, elle maintient. Mais bon, cette histoire, à un moment donné, François, il est en train de me dire, bon, il va falloir que je vienne le chercher, de toute façon. Il faut que je vienne le chercher. Il faut qu'à un moment donné, il faut que. Voilà. Et d'un jour, vous voyez, elle a des occasions auxquelles elle peut parler avec lui. Et puis, alors, elle n'a pas envie qu'il parte. Et puis, à un moment donné, elle en a marre aussi. Vous voyez, elle est aussi dans le Oui. j'en ai marre, je suis fatiguée et tout ça. Mais on ne sait pas ce qu'elle veut, en fait. Vous voyez, on ne sait pas ce qu'elle veut. C'est ça. Voilà. C'est ce que montre François. Est-ce qu'elle veut vraiment qu'il parte? Est-ce qu'elle veut le garder? Est-ce comme un enfant? Oui, je veux se jouer. Non, je ne veux pas se jouer. Oui, je veux se jouer. Non, parce que l'autre Oui. est en train de tenir. Mais bon, ce monsieur, il va partir de toute façon. D'accord? Il va partir. Dites-moi, Céline, les parents de François, ils sont passés de l'autre côté? Oui. Hein? Parce qu'ils sont ensemble. D'accord. D'accord? Aujourd'hui, ils me montrent qu'ils sont ensemble, qu'ils sont au même endroit. D'accord? Il n'est pas seul, François. D'accord? Ils me montrent qu'ils sont ensemble. D'accord. D'accord? Oui. Et il en est heureux. D'accord? Il en est heureux. Voilà. Grande famille, dit. C'était une grande famille. Vous n'avez plus de piscine? Si? D'accord. Si. Derrière la maison? Oui. D'accord, parce que je suis devant la maison là. Alors, il me montre des. Cet été, ça va y aller la piscine, hein, parce que ça va sauter, hein. Hein, ça va déborder de partout. D'accord? Voilà. Attention à une fuite. Attention à une fuite, il me dit. D'accord? D'accord. Voilà. Au niveau de la piscine? Oui, au niveau de la piscine. Et je pense que c'est par rapport à une marche, hein, une marche ou un hublot. D'accord? Hein, quelque chose, il me dit. D'accord. D'accord? Rien de grave, ça sera réparé. D'accord? Alors, D'accord. voilà. Un, deux. Il me montre deuxième marche. Deuxième marche. Je pense qu'il y a quelque chose qui a sauté qu'il va falloir réparer. D'accord? Avant de la remplir. Faites-le, Céline. D'accord? Vérifiez. J'ai l'impression qu'il y a un joint ou quelque chose entre deux. D'accord? Voilà. Et il me dit il faudra réparer. Voilà. Il dit il n'y a rien d'urgence. Si vraiment il y avait une fuite, ça va baisser. Vous aurez de l'eau jusque-là. Oui. D'accord? Il n'y a pas de. Voilà. Personne ne coulera comme ça. je vous écoute, Céline. Allez-y, je vous écoute. Ensuite, je voulais lui demander, ce matin, j'ai eu un appel téléphonique Oui. qui m'a très perturbée parce que c'est un homme qui m'a reparlé de mon passé. D'accord. Et donc, l'attitude qu'il a eue au téléphone, je voulais savoir si François était étranger à cet appel téléphonique, en fait. Il était agressif, hein, dans son appel téléphonique. Non, plutôt moqueur, on va dire. D'accord. Non, c'est pas France. François, ce serait pas amusé à vouloir vous faire peur ou quoi que ce soit. Quoi que ce soit. D'accord? D'accord. Non, François est en train de me dire que il se serait pas amusé justement à comment dire à ce jeu-là avec vous. D'accord? Voilà. C'est une personne apparemment que vous connaissez. D'accord? Ben, qui vous connaît de toute façon, Céline, d'accord? D'accord.
Et pour lui, il me dit que vous le connaissez, peut-être pas physiquement, mais que vous le connaissez, je pense, à travers lui, à travers quelqu'un qui connaissait votre mari. D'accord? D'accord. Est-ce que je peux avoir... Non, c'est quelqu'un qui connaissait François, d'accord? Voilà. D'accord. Mais que vous connaissez par nom ou que vous avez déjà entendu parler, mais bon, quelqu'un, alors pas quelqu'un d'intime, d'accord? Pour vous, pas quelqu'un d'intime pour vous, mais quelqu'un qui côtoyait et que François avait déjà parlé de vous et des choses comme ça, d'accord? Voilà. D'accord. Mais, oui, mais comme cette personne ne s'est pas présentée, ça m'a... Non, non, non. En fait, j'ai eu l'impression... Dites-moi. Qu'il a reçu... Parce qu'à oui. à la fin de la conversation, il s'est mis à ricaner. Mais en fait, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un de très négatif au téléphone. Quoi. Non, non, parce que il est François est en train de me dire qu'il n'est pas bon, hein, dans le sens qu'il est... c'est ce qu'il disait, il n'est pas bon, de toute façon, cette personne. D'accord, il est oui. préférable de le signaler ou d'essayer de voir quel est ce numéro de téléphone et de vous renseigner à qui vous avez affaire. D'accord? Oui, d'accord. Il n'est pas bien dans sa tête, il dit. Cette personne-là, elle n'est pas bien dans sa tête. D'accord? Ça ne va pas dans sa tête. Donc, ne vous faites pas harceler ou emmerder par quelqu'un qui s'amuse. Hein, qui s'amuse. Oui. D'accord? Voilà. Coupez le lien, on me dit. D'accord? C'est mon guide qui me dit, coupe le lien. Ça veut dire... voilà. Par contre, Céline, moi, ce que je vous invite, c'est savoir à qui c'est ce numéro. Et puis, si la personne, elle recommence, dites-lui que vous allez le signer à la police, hein, si vous êtes dérangé. D'accord? Oui. Mais c'est quelqu'un qui... il me dit qu'il fume des choses et qu'il sait des choses. Mais qui, voilà. Il est... C'est pour ça qu'il a eu ce moment ricaneur et malsain. D'accord, hein? Voilà. Oui. Voilà. Mais en fait, ce qui m'a fait bizarre, c'est que même au téléphone, voilà, j'ai ressenti du négatif. Et, oui. Et c'est pas quelqu'un de bon. Donc vous l'avez ressenti parce que vous saviez que c'était pas une personne lumineuse. D'accord, hein? D'accord. Oui. Hein? Ne rentrez pas dans son jeu de, comment dire, de manipulation. Voilà, on en parle de manipulation. D'accord, hein? D'accord. Voilà. C'est pas quelqu'un de bon. C'est pas quelqu'un qui est clair. Voilà, on me montre bien que c'est pas quelqu'un qui est clair dans sa tête. D'accord, hein? Voilà. Donc, restez sur votre position. Qu'il ne vous fasse pas chanter sur des choses qu'il n'a pas à faire chanter de toute façon. D'accord, hein? Voilà. D'accord. Hein, mais... Voilà, quitte à mettre votre téléphone en liste rouge, et puis qu'il n'y ait que vos amis qui aient votre numéro de téléphone, et cette personne, elle ne vous embêtera plus. D'accord, oui. Céline? Voilà. D'accord. Voilà. Et je voulais lui demander aussi si notre fille va rester avec son compagnon. Alors, nous revenons en message privé.